Comment se met du gazon de regarnissage? Hey Stéphane, à force de jouer au ballon, la pelouse est toute trouée. Ouais, c'est normal. Mais tu vas pouvoir l'aider à se refaire une beauté. Pour qu'elle repousse aux endroits abîmés, on va utiliser un gazon de regarnissage. Mais avant de semer le gazon, on va préparer la terre en la griffant légèrement. Tu vas gratter la surface pour que l'eau pénètre bien dans le sol et que les graines s'enracinent facilement. Je la griffe avec mes mains? Non, non, je te rassure. On va utiliser soit un râteau, soit une petite griffe à main. C'est bon, ça suffit? Ouais, c'est parfait. Maintenant, tu vas pouvoir semer de manière régulière afin que les graines s'enracinent bien. C'est très, très bien. Maintenant, on protège en mettant un peu de terreau par-dessus. Je te laisse faire. Tiens, vas-y. Tu l'étales un tout petit peu avec les mains, comme ça. Et maintenant, on va sauter dessus pour tasser. Allez, on saute. Très bien. Parfait. Surtout, n'oublie pas d'arroser régulièrement. Comme ça, ton gazon va pousser rapidement et sera très, très beau.